Welcome to the world of the forest industry. From cutting in the forest to the sawmill through forest transportation, each has its share of danger. Truckers, loggers, and engineers put themselves in dangerous situations every day. Vigilance and security are at the heart of this industry, but this still doesn't prevent the hundreds of accidents that take place each year in this world that requires nerves of steel. Abitibi, north of Rouen. After traveling 100 kilometers into the woods, we find our modern-day lumberjacks. These days, the people cutting in the forests are far cry from those who used handsaws and axes. They're multifunctional machine operators driving mechanical monsters that must make their way into the forest to work. Ici, il y a beaucoup de caps, beaucoup de terrain accidenté, des fois des renversements de machines. C'est quand même assez dangereux. On est dans la roche. Il y a tout le temps le côté d'écrasement. Si tu circules près des machines ou positionnel, puis mettons, si l'autre opérateur te voit pas. C'est sûr qu'il y a des risques. C'est de la grosse équipement, on est dans des conditions éloignées, des secteurs éloignés. Tant que tu l'aies en tête, si t'arrive un accident, des fois, qui peut être banal, mais si t'es à 2 heures de route de la ville, ça devient plus complexe. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui travaille dans une scierie ou encore en forêt, le stress, c'est quelque chose d'important parce que ça l'a toujours assuré la survie de l'espèce. C'est vrai dans la nature, puis c'est vrai aussi pour l'être humain aussi. Donc, le stress, c'est quelque chose de très, très positif là-dedans, particulièrement dans des emplois à risque. 2 hours from civilization and all hospital care, this machine is not only dangerous while it's working. Even once the motor's been shut down, there are great risks. The machine's cutting head is a high-performance tool. A simple maintenance job can become a nightmare. Suite à avoir frappé une roche, des fois les dents sont émoussées, les dents de la scie à chaîne. Il faut faire un changement de chaîne. Quand on change ça, il faut toujours arrêter le moteur pour pas qu'il y ait de pression hydraulique. Puis Les pinces et les rouleaux, c'est sûr, faut jamais s'approcher là, si la tête est en opération. Parce que si on se passe un bras ou une jambe là-dedans, là, c'est vraiment critique. Ça tient, c'est effectué. Il y a tout le temps quelqu'un qui a été faire un test, qu'il y avait de la misère avec ses rouleaux ou sa scie. Il s'est mis les bras là, puis il s'est fait écraser les mains. Ou... Il faut être vigilant. Tout le temps rester en tête que c'est vraiment de la grosse machinerie. Puis ça peut être fatal là, s'il arrive un accident. Là. The head of each multifunction machine is equipped for felling trees, pruning, and cutting to a predetermined length, then stacking. Ici, on récolte du résineux, pain gris. On fait des billes de 3,15 m, 10 pieds, 6 pouces. C'est ça la cible qu'on a. Quand je vais chercher l'arbre, je m'attache après. Je peux faire une sélection de toutes mes fonctions en même temps. Je ferme au complet. Ensuite, quand je me positionne, j'ai juste à partir la longueur. La longueur est atteinte, 3,15 m. Je scie, elle repart automatique. Je re-scie. Toutes les commandes de la tête sont sur les joysticks. J'ai un côté qui est
tout fermé, ouvrir, juste les rouleaux, juste ouvrir les pinces. Puis l'autre côté, c'est les longueurs. C'est bien gros du, du pitonnage. The operator must maintain the machine and check that each part is in working condition. Alone in the woods, he can only rely on himself. Chaque jour, on fait un graissage de la machine puis de la tête. Toutes les pins de pour la tourelle, pour le, toutes les parties là qui sont mobiles. Une machine comme ça dure environ 5 ans. Je suis rendu à 22 000 heures, elle. C'est dans sa dernière année, elle. Ça coûte environ 525 000. Ça déprécie vite. Ça travaille fort, mais ça déprécie vite. The high price of this machine means they have to push it to the limit in order to make the business profitable. The forest workers have to cut 12 hours a day, up to 7 days a week. They don't get paid by the hour, but by the ton. More wood brings more money. Présentement, j'ai deux abatteuses pareilles, des Neusen 20 tonnes. Ça fait 3-4 ans qu'on vire comme ça, là, avec des contrats d'Homme-Tard-Val-d'Or, une partie de l'année, puis Cyril Andrienne, là, présentement. J'essaye de mixer mes années, là. En septembre, là, je vise de n'intégrer deux autres à l'équipe, là, pour diminuer la tâche un peu, là, parce que là, c'est 7 jours sur 7. Là. C'est difficile un peu, des fois, d'engager des nouveaux opérateurs. Là. La main-d'œuvre est super rare, surtout qualifiée comme que ça prend pour ces machines-là. Oh oui, on va y aller après ça. Là. C'est toutes les petits troubles. Toutes les petits troubles hydrauliques, électriques. Des fois, tu peux t'arrêter pour une journée pour un petit fil de débrancher, là, mais avant de le trouver... Tout l'inventaire de la tête, là, se trouve dans ces casseaux, dans ces petits casseaux-là. Ils sont tous numérotés avec le numéro qu'on a dans nos livres de pièces. Donc, c'est quand même assez facile. C'est quand même assez facile de se retrouver. Là. Quand t'es dans le milieu, on trouve que c'est pas compliqué, mais c'est sûr que quand on embarque un nouveau avec nous autres, là, c'est plus critique un peu là, d'embarquer du monde. Il faut prendre des gars d'expérience sur des machines puis commencer à les former au genre de travaux qu'on fait là, pour être capable que ça soit rentable. Là. Parce que tu peux mettre n'importe qui là-dedans, mais s'il est arrêté une journée sur deux à cause que t'es brisé, c'est plus difficile un peu. Despite the enormous workload, Christian loves his work and the forest. He hopes to be able to pass on this passion. Je vais être encore ici, je pense, pour longtemps. Je vais attendre que mes petits gars arrivent avec moi, s'ils veulent bien. Mais je pense bien que je vais être toujours en forêt. Je sais pas comment, je sais pas avec qui, mais je sais que je vais être encore dans le milieu forestier. C'est rare de nos jours, des fois, de faire vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie. Là. Moi, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, mais ça reste à voir. S'ils sont intéressés, je vois des contracteurs qui ont le fils avec eux, là, puis ça a l'air être quand même le fun. Là, que pour ça, là, ça serait bien plaisant. We leave Christian logging in the forest to move to winter in Gaspésie, where we'll see the difficult job of the forest truck driver. We're in Nouvelle-Gaspésie, a town that's dependent on the forest industry. Là, il est 4h10 dans le moment. On monte en forêt, je vais aller chercher un chargement de bois tronçonné. At night, a big risk is running into other truckers on the very narrow roads.
Puis après, attacher son, voyage. 64, c'est à peu près 1h15, 1h30 montée, puis à peu près 20 minutes, une demi-heure chargée. Puis on va redescendre, ça prend environ 2 heures à redescendre, tu seras à l'usine. Avec le chargement, les pentes, les côtes, on descend moins vite. Puis c'est plus d'attention chargée aussi. Every day, the truck drivers will make 3 trips, 4 to 5 hours each, for a total of 12 to 15 hours on the road. They begin their days on a rotating schedule. On a 7 camions dans le chantier, ce que je transporte. Puis c'est chacun notre semaine à être premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Quand t'es dans les derniers, moins toute l'air de bonheur. Là. Ils font beaucoup d'heures. Beaucoup, beaucoup d'heures. Puis je le trouve encore vaillant à l'âge qu'il a là d'être capable de faire le travail qu'il a à faire. Quand même, de se lever à 3 heures du matin, c'est pas évident. Puis t'arrives chez vous, il est rendu 5 heures le soir, t'as quand même un 12 à 15 heures sur le dos. Je le trouve vaillant. Très, très. After a full day's work, Silva hands over to Germain, another truck driver, for the afternoon to night shift. These hours are difficult on families. Bonjour. Mon père faisait ça, mes frères font ça, puis que mon mari fasse ça, j'ai pas le choix, j'ai été élevée là-dedans, je connais pas d'autre chose. Non, aux heures j'ai fait cette semaine, ça se peut que la clé ne fitte plus dans ses rues, mais j'arrive. Là. Allez voir ça. Tu nous le diras, on ira à la note. OK, c'est bon. Faut que t'aimes les camions, faut que t'aimes la vie de camionneur pour être capable de rester avec un camionneur. Vous allez rencontrer des trucks à Gravel qui sont sur le 10, ça fait grand-chose. Ouais, okay. Before Germain starts his shift, Silva tells him about the road conditions, pointing out where there may be dangerous passages. This information is critical. Sa côte commence à dégrader un peu. Mais... Ouais, ça doit, il y a la cour. Moi, je camionne depuis j'ai l'âge de 16 ans. On a l'habitude de faire des grandes journées. Avant, ce que je faisais, c'était toujours des 18-20 heures par jour. Aujourd'hui, ici, moi, ce que je fais présentement, depuis 9 ans, je suis ici là, avec Silva. J'appelle ça ma semi-retraite. Je suis à 10, 12 heures, 13 heures par jour. Pour moi, c'est des petites journées. Là. C'est une semi-retraite. Là. These truck drivers are used to concentrating for long periods without interruption. They must be alert to any climate change and to road conditions. L'attention, c'est une ressource limitée. Si je maintiens ma concentration trop longtemps, bien, mon niveau de performance ou mon rendement va diminuer. Donc, ce qui est important, c'est d'alterner les cycles. Moi, j'appelle ça des cycles travail-repos. Puis, je pense que dans des travails comme ça, même pour un camionneur, bien, tu peux avoir des petits moments, là, c'est comme des petites pauses mentales, mais tu reviens, des petites pauses mentales, tu reviens. Le deuxième puis mon troisième voyage que je vais faire, en tant que température va être meilleure, puisque là, le soleil est trop fort, puis ça dégèle un peu. Là. Les montagnes puis les grandes montagnes qu'on monte sont salées beaucoup. Là. On va avoir un peu de force tantôt. For a Gaspé truck driver, mud is a constant concern. But higher in the mountain, the snow becomes thicker and denser. Quand les premières neiges arrivent l'automne, c'est comme quelqu'un qui chauffe une voiture aux premières neiges. On s'ajuste à ça, puis après ça, moi, personnellement, j'aime mieux travailler l'hiver que sur des chemins de terre. Parce que là, il n'y a pas de roche dans le chemin, on fait pas de crevaison, c'est moins dur sur les pneus, c'est moins dur sur tout. Even if winter is easier on the truck's parts, the ice and snow are constantly a menace that can make even the most experienced drivers go off the road. Chargé en descendant pour le 41. Il y a des routes forestières plus difficiles que celles que nos maris font présentement, là. Germain puis Silva. Ah ouais, c'est vraiment dur. Les autres, c'est toutes des chemins de même. Ah,
c'est un camion qui va... qui est pour faire ce vide. On narrow roads like this, there's no room for error. Souvent, sous la glace, l'hiver, ça peut partir tout d'un coup. Ou ça penche, puis ça va virer sur le bord des canals. Ça, c'est moins fun. When moving 57,000 pounds of merchandise, a fast stop becomes impossible with the speed that the truckers have to travel. Toi, t'as une remorque de 48 pieds en arrière des fesses. C'est pas évident de dire j'arrête dans un espace assez restreint. Ça, quand ça passe là, ça arrête plus. On these roads, every truck driver has at least one or two stories they'd like to forget. C'est l'autre bord, c'est à côté de la remoule. Quand j'ai essayé de la monter, j'ai parti de reculant. Il y a un qui a parti de reculant, puis il a pris le trou, il a versé. Et moi, j'ai fait pareil, puis... je l'ai tassé, puis derrière, il a frappé dans la main, puis il est resté là. Mardi passé, il pleuvait. C'est devenu une patinoire. Je veux dire, mon mari a reculé dans la côte, peut-être, je sais pas combien de longueurs de camion, il avait hâte que ça arrête. Dans la côte-ci, au 1er mai, là, il neigeait fort, puis ça a pas réussi à monter. Puis quand ça a arrêté, bien, ça a pris de reculons tout seul. J'ai fait à peu près 7 longueurs avant de réussir à l'arrêter pour pas que ça continue. Mais c'est ça, ils sont à l'affût de la température. Le gars de charrue, s'il ouvre au-dessus des fossés puis que le camionneur a le moindrement un écart de conduite, bien, le camion va verser dans le fossé. Puis camion apporte remorque, il amène tout, là. 3 ans passés, c'était une soirée d'hiver. Puis là, j'ai arrivé d'une courbe, on changeait de chemin, de direction. Puis le grader, il avait ouvert par-dessus le canal. On l'avait vérifié, en fait, il avait ouvert comme 8 pieds de trop large. Mais tout ce temps-là, j'étais là, sur le bord de ça. Mais quand le devant a voulu comme caler, moi, j'ai immobilisé, mais ça a toujours continué à caler. Puis à un moment donné, je me suis plus gain. J'ai couché tranquillement. C'est le même que ça arrive. On n'est jamais fiers des choses comme ça. Il n'y a rien eu de grave, là, heureusement, mais la pesanteur du bois chargé fait que ça peut lever le camion du devant, puis c'est complètement couché. For Rosaire, the road is strewn with reminders of danger. Every curve and every ravine has a story. Il y a le camion qui a versé à Barcelone. Et ici, le gars, il a versé ici. Le croche autour de décembre, ce trailer a pris dans le trou. C'est clairement les garis, ça s'appelle. Ça venait charger par là. Descendant le 27. On est toujours inquiète, c'est certain. On peut pas être inquiète. Veux pas, quand il n'est pas à l'heure, on se demande ce qui se passe. Au début de notre mariage, je m'inquiétais s'il arrivait en retard. S'il me disait je vais arriver vers 4 heures, puis qu'à 4 heures et demie, il n'était pas arrivé, je commençais déjà à penser qu'il pouvait avoir eu un accident. Au bout d'un an et demi, j'avais une petite fille. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je ne vivrai pas. Je pourrais pas vivre de même plusieurs années. Je vais user ma santé. Fait que j'ai arrêté de penser à ça. Puis la première soirée que j'ai arrêté de penser à ça, à la place d'y dire comme je fais tout le temps, fais attention à toi, mon amour. J'ai dit juste, je t'aime, mon amour. Et dans la soirée, il y a eu un accident. Il s'est fait fracturer 5 vertèbres dans le dos.
Quand la chargeuse a fini de me charger, j'ai monté sur mon voyage. Dans ce temps-là, on mettait deux chaînes sur notre voyage. Il fallait monter sur le voyage puis aller mettre les chaînes. L'échelle a cassé puis j'ai tombé sur le dos sur une roche. Puis je m'avais fracturé les vertèbres dans le dos. J'ai été 6-7 mois avec un carcan sur le dos. Chargé en descendant pour le détour de 64. Tout mon bas de corps était paralysé, mes jambes, 5 jours de temps avant que ça revienne. Tu restes avec un goût amer de ne pas avoir dit ta phrase habituelle quand tu s'en vas. Fais attention à toi, mon amour. Driving in the forest is very different from driving on the road. Truck drivers must be in constant communication to avoid disaster. Several narrow spots in the road make it impossible for two trucks to pass at once. They have to stick to procedure. On colle à tous nos kilométrages en montant. Faut nous situer. Parce qu'il y a des endroits, ça ne rencontre pas. Ça rencontre pas deux fois. Deux, comme ici. Présentement, c'est une voie. On prévient d'avance, puis quand on vient se rencontrer, mais si on sait que c'est une place étroite, on attend pour que lui passe ou lui attend pour nous autres. Ça évite des accidents. Je plaque beaucoup quand je rencontre des camions chargés. On a toujours une priorité, les camions chargés. Fait que le chemin de droite, t'arrives à s'avancer avec d'autres camions. Faut que t'écoles des kilomètres. Fais attention. Some forestry companies equip their trucks with a device called a mouse. It's a tool used to detect other vehicles on the road. On va dire qu'il y a un camion à 1 km devant le flasher jaune. Si il est proche, ça va flasher rouge. Puis si tu as le. Comme le grader, on met dans sa sableuse, là. Il va flasher bleu. Ça, tu vois, là, le grader est pas bien loin. Flash bleu, hein. Mais devant, pas au côté de vous, le monsieur. Grader. Ah, c'est bon. Pas du rouleur fou là-dedans, pareil, là. La limite de vitesse, c'est 70. On essaye de se tenir entre 70 maximum 80 pour pouvoir toujours se prévenir en cas d'animaux ou de quoi que ce soit, là. Par de contrôle. La réserve lumière, il y a beaucoup d'ornales. Fait que c'est une surveillance de plus. At the speed they're traveling and with the curves they need to negotiate, almost every trucker has a story involving a moose, and some stories end better than others. Ben, j'ai voulu l'éviter, mais je l'ai frôlé avec le côté de mon camion, puis ma remorque l'a poignée, puis ça a tué la bête. Wild animals are part of their everyday world. Here we see a deer carcass hit by a truck yesterday and devoured by coyotes during the night. Faut tout le temps penser sur quoi ce qu'on roule puis penser aux autres parce qu'il y a tout le temps de l'imprévu. Des fois il y a des voitures qui n'ont pas nécessairement à faire par ici. On les appelle les touristes là, mais ils montent puis ils savent pas trop ce qu'ils vont. Là. Des rencontres à des places serrées ou des voitures qui sont en train de virer de bord dans le chemin à des places qu'il faudrait pas le faire. Il y en a beaucoup qui vont essayer de se suicider avec les camionneurs de la route. Parce qu'ils vont dire, quand ils vont me frapper, il n'y en aura pas de solution, il n'y en aura pas de... Ça, je vais mourir là. C'est tout de quoi qui fait partie du métier, là. La croix qui est là, là, ils m'ont dit qu'il y en a un qui n'a pas sa droite, puis il y a 4 de morts là-dedans. Death is all around them. Crosses are reminders of the victims lost to this job, but also markers of the most dangerous places along the road.
plus ça va aussi, plus qu'on est équipé, on a des radios FM, on a des CB. Puis l'équipe qu'on est ici, on est 7 camions, mais on est des gens qui ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble. Fait qu'on connaît pas mal plus le chemin, puis ça, fait qu'il y a plus de sécurité qu'il y a déjà eu aussi. Ben il y a tout. Veux, veux pas, dans une année, il y a tout le temps des passés proches. M'arrête ici. Hey, gars, brassez mon bille, là. Ah, il est prêt. Il est proche de nous autres. Ah, tiens, pas les mains. T'as souri, pas les mains, Serge. Non, non, pas les mains. Il n'avait pas les mains. Hey, Roland, t'as pas même que la souris allumée, toi? Oui. Il me l'a donné, puis je travaille avec. Even with this technology there to save lives, some drivers prefer to keep their eyes on the road rather than have to look at an additional instrument. Au pont du 16, en descendant, charré pour le pont du 16. L'autre semaine, mon chauffeur a rencontré serré ici. Il a rencontré un autre camion dans une croche ici de sa tête, ça avait passé proche. Il y avait un camion de la gang, son radio émetteur était brisé, qu'on s'est rencontré, mais quand on a collé, probablement qu'on s'est collé les deux kilométrages en même temps. Quand on s'est rencontré, c'était une courbe, ça rencontrait pratiquement pas. Ça a rencontré, mais ça a été terriblement serré. Là. Le stress, c'est une pression qui est exercée sur nous. Pour un camionneur, bien, c'est des stress aigus. Il y a des moments où je dois totalement réagir. Oh! Even if everyone has a radio, it still has to be used correctly. Rosaire stayed on the sawmill channel, and so as he entered the forest, he was announcing his arrival, but nobody heard him. On va oublier mettre mon CB sur le 10. Carré. Ouais, OK. Fortunately, the collision is narrowly averted. But as he arrives at the loading site, Rosaire's troubles are just starting. As the truck leaves the loading site, the loader's operator notices something. Ah, non! Ouais, ouais, t'as sorti de poussière de l'alvée. C'est bon? Ouais, ouais. En tout cas, il a sorti de poussière dans le sourd. Je sais pas si c'est un ballon qui était de travers ou quoi. Ouais, mal ouais. Hein. Mal ouais. Un peu de la ballon. It turns out it was just an air leak in the hydraulic system on the semi-truck trailer. Another stroke of luck for Rosaire. OK, bye! After the wood leaves the forest, it heads for the mill. Domtar of Val-d'Or opens their doors to us and shows us even more dangerous jobs.
Domtar of Valdor opens the doors of their sawmill. We arrive in an apocalyptic world worthy of science fiction and horror films. Milling wood is serious business here. The quality is constantly checked and high speed of operation constantly maintained. In this organized chaos, the mill must rely on complex and highly specialized machinery. It's important to maintain production, but they also have to maintain high quality. Un inspecteur qui vient ici vérifier les paquets. Tu n'as pas l'air d'avoir plus que 4% d'erreur dans ton paquet. Le client peut virer le paquet s'il y a trop de différence. L'inspecteur peut barrer ta cour. A mill shutdown means a huge loss for the company. Highly qualified maintenance mechanics are here to ensure that each machine can produce at its full potential. Les mécaniciens de série, en général, c'est pas tous des mécaniciens d'entretien. Ils ont toutes des petites bases de métier un peu partout qui s'attachent à ce métier-là, qui complètent le métier de mécanicien d'entretien. Et deux! Aujourd'hui, ils demandent plus. Les machines sont plus complexes, ça veut dire que ça demande plus de perfectionnement. La part des séries vont opter pour un mécanicien qui fait à peu près n'importe quoi. Elle n'a pas gagné. C'est moi qui ai gagné. J'aime ça parce que c'est un métier que tu peux toujours améliorer. Tu vas pogner une machine qui est en désordre et tu vas la mettre en ordre. Ça, c'est... Quand elle commence à être bien en ordre, je commence à être moins intéressé. Je m'envoie sur une autre machine. Today, one of the debarkers seems to be having a problem. Alain must consult the operator to determine the nature of the failure and form a plan of attack. C'est surtout mon transfert là, qui me donne du trouble à matin. Comme là, ça vient de bloquer, là. Bon. Il contrôle pas mal tout. Il peut avancer et reculer comme il veut. Il peut ouvrir ses presses. Là, on vient d'avoir passé une qui n'était pas trop bien écorcée, mais à ça que le multifonctionnel, il écorce à multifonctionnel. Il laisse beaucoup de nœuds là. Ça cause un problème à l'écorçage. Là, on va aller faire une intervention à l'écorceur 2. Lui, il faut y redonner de la pression. Alain needs to wait for the employee's break to go repair the dangerous machine. It's a race against the clock. He'll only have 15 minutes to padlock and secure the machinery, effectuate the repair, and get out, otherwise the mill will fall behind. Là, je ferme l'air. Là, je purge le système. Parce que dans le bilan, il reste toujours de l'air. Donc, en purgeant, je vais tout le système à l'air de la machine. Je ferme les breakers. C'est tous les sectionnaires qui contrôlent les rouleaux, tout. Si on passe un câble de même, personne ne peut pas remettre le sectionnaire. C'est pas un métier à prendre à la légère. On parle de machines, des grosses machines. On parle pas de petites machines. Là. Chaque intervention que tu vas faire, même si tu es cadenassé, tu as toujours un risque. Là, on peut pas ouvrir. On ne peut pas ouvrir l'air, on ne peut pas ouvrir un sectionnaire. OK, là, je suis obligé d'ouvrir ma console. Là, j'actionne mes rouleaux d'entrée et mon rotor, la machine là, qui écorce. Alain still has to check the debarker's control panel and ensure the operator cannot accidentally reactivate the machine upon his return. J'ai mon joystick qui contrôle ma courroie. La courroie ne bouge pas. Les rouleaux, ici, ne bougent pas non plus. Ça veut dire qu'on là, on est complètement safe, il n'y a rien qui bouge. Je ferme ma console, puis là, on peut rentrer dans la machine. On est sécuritaire. Quand j'ai commencé dans le métier, moi, on ne mettait pas de cadenas pour un sectionneur.
Puis ça va leur arriver d'être dans la machine en train de découper d'ici. Puis il y a quelqu'un qui a levé le sectionnaire puis il a parti sa machine. Mais la machine n'est pas partie parce qu'il avait une limite switch à la porte, que dès que la porte est ouverte, que la machine ne pouvait pas partir. Dans le temps, les protections, on les réparait pas. Elle était là parce que la machine était récente de 5 ans. Et que la protection marchait encore. Sans ça, je serais mort aujourd'hui. On était deux gars. Fait que moi, je serais mort. J'étais drette assis sur le chef, j'étais drette d'ainsi. Ça aurait viré, elle me faisait décapiter. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je ne rentrais plus dans une machine si je n'étais pas cadenassé. J'ai été m'acheter des cadenas. Puis après ça, je me borrais chaque intervention que je faisais. Une vie, t'en as rien qu'une. Hein? Normalement, il y a un gars de ménage qui dépouille la machine, mais là, j'aurais pas le temps d'attendre après lui. Faut que je vérifie la machine. Il est tout le temps là, Rick. Si on veut une maison, il est tout le temps là. C'est un circuit électrique, une mauvaise connexion. Ça peut arriver. Là. En général, c'est bien suivi. Toutes les procédures de cadenassage sont supposées être suivies. J'ai déjà vu, moi, il y avait une fille de cadenassage, tout tabou. Mais la machine s'est déplacée toute seule. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça peut... l'erreur est humaine. Autant l'électricien que le mécanicien ou l'ingénieur qui va construire une machine, il ne peut pas s'assurer à 100% qu'elle est sécuritaire à 100%. Mais une machine propre, ça brise moins. Ça prend 12-15 pieds d'eau, la chute d'écorce. À un moment donné, je travaillais sur un 2x6. Le 2x6 a viré. Je me suis ramassé en bas. Je me suis ouvert les bras. Puis, je suis tombé sur la chaise. J'avais mon cadre de sécurité. J'ai, comme varsé, il y avait des barres pour soutenir les dalles. Je me suis cogné là-dessus, mais j'avais mon équipement. Mon casque m'a protégé. Quand je suis tombé, j'ai sorti de là d'une façon extraordinaire parce que pour monter sur le bord de la dalle, je veux monter, ordinairement, je n'étais pas capable. Puis il avait rien qu'un bras, j'avais un bras d'ouvert. C'est-à-dire que je suis venu à bout de monter pareil avec un bras. Puis j'ai réessayé après ça, comme Nassé, il était en bas, puis de monter, puis j'ai jamais été capable. Là, j'ai mis de la pression. Là, je viens de perdre un gain. Dans une situation où on a un accident, bien, il faut réagir rapidement. Donc, lorsqu'on parle de stress, ce que je dirais, c'est que la première réaction, elle n'est pas rationnelle. Elle est instinctive. Elle est intuitive. Puis cette intuition-là, bien, elle est fondée sur l'ensemble des expériences de la personne, l'ensemble de ses compétences. C'est bon, je reprends mon panneau. Si t'es pas sûr, vas-y pas, tout simplement. Il y en a qui prennent des chances, mais pour eux autres, dans leur tête, il n'y a pas de danger. Mais le danger est là, pareil. J'ai déjà vu du monde passer à côté des rouleaux d'écorceurs qu'on a là, à ceux du rouleau qui s'avire. Lui, pour lui, dans sa tête, il n'y avait pas de risque, il n'y a pas de danger. Mais pourtant, moi, j'en avais des frissons de le voir aller. Il s'enferme, c'est des planchers tout croche. Il tombe dans l'écorceur. C'est fini. C'est sûr que ces rouleaux-là, là, ça s'accroche dedans. Là. Il s'approche d'ici et il vire. Tu vas te faire emballer. Donc, le job, c'est de ramener au centre l'écorceur. C'est-à-dire que si tu traînes autour quand ça vire, ça ne pardonne pas. C'est de la pression là-dessus. Si une personne part dans l'écorceur, la tombe ne sera pas grosse. Il y a des petits morceaux. The day continues with other machines having different problems that need solving. It's still the morning, and a problematic detangler has stopped working once again. Depending on weight, the detangler sorts the logs as they climb steps. Un gardien d'entretien, c'est jamais, c'est pas routinier. C'est un décasseur qui revient régulièrement. Faut pas qu'il revienne régulièrement, il est bas, c'est pas ça. On va se le faire dire.
En général, que c'est une marine qui brille régulièrement, elle a de quoi, là. C'est à nous autres à s'organiser qu'elle arrête de briser. It's a dangerous job. It's dark, and the counterweight is located just above Alain's head. Every minute that the machine is stopped costs a fortune to the company. To temporarily repair the system, he uses a replacement belt. En général, dans la production, on va faire des plasters pour 40 minutes. C'est là que l'expérience en tant que docteur. C'est-tu un bon plasteur ou c'est un mauvais plasteur? Bien souvent, tu peux briser trop. Mais en général, quand tu sais où, avec l'expérience, tu sais que maintenant, c'est ça. Là. Tu sais que cette petite invention-là, tu vas faire, elle va se rendre jusqu'à la limite sans trop faire de dommages, sans perte de production. C'est sûr que ça peut ralentir la production un peu, mais il faut évaluer. Dans des emplois à risque, on prend la bonne décision parce qu'on est compétent face au stress. On prend la mauvaise décision lorsqu'on est incompétent, lorsqu'on n'a pas l'expérience. Pour moi, à part bonne tension, mais c'est une façon rapide. L'intervention a pris quoi? 2 minutes? Et si je l'aurais rajouté comme étant supposé d'être, ça aurait pris une demi-heure. Là, on va aller chercher un conseil pour la remplacer. Ce démêleur-là, lui, ce démêleur, ça a été modifié pour augmenter sa vitesse. C'est-à-dire qu'en augmentant sa vitesse, il a rajouté des pesées pour l'aider, aider le réducteur à moins chauffer. Personnellement, c'est pas un système qui est bon, mais c'est un système qui marche présentement. On a des projets futurs pour changer ça, mais pour l'instant, il faut vivre avec. Living with it means that the mechanic must put himself in danger at least twice a month. The strong motor of the detangler continually stretches the chains. Est tiré pas mal. On voit l'étirement, hein? Il y a une demi-moille de différence. Parce qu'elle est tirée. C'est que la pesée est bien pesante. Ça a beaucoup de friction. À un moment donné, la chaîne étire. Puis elle étire, puis à un moment donné, elle use, puis elle casse. Ça arrive régulièrement. On trouve que c'est ça. On est en train de chercher une solution pour éliminer ces démêleurs-là, puis ce système-là. Until they find a solution, Alain and his colleague have no choice but to place themselves in danger. Their only real protection is their experience. Quand il y a de l'eau, des airs, pas te mettre en position de danger. La principale sécurité, c'est la position de danger. Même si tu es cadenassé, tu te mets une chaîne de sécurité, c'est sûr que des fois, tu es obligé d'y aller. Mais si tu n'es pas obligé d'y aller, ne mets-toi pas en position de danger. Si t'es pas sûr, vas-y pas. Tout simplement. Allez, ouais. Bon. Alain installs hydraulic lifts to hold the counterbalance in place and change the chain. Now he must remove the lifts and cross his fingers that the chains hold. Pour nous autres, une job. Plusieurs jobs dangereux. C'est sûr que à un moment donné, si tu es assis chez vous à rien faire, il n'y a pas de danger, à moins qu'un ouragan ne parte de la maison. The machine seems reluctant to restart. Once again, the detangler's belt drive is slipping. But for the moment, the repair seems to hold until the next break. C'est sûr que tu pars au travail, en général, ta femme attend que tu reviennes. C'est sûr que le métier de policier, c'est plus arrêté. Ça fait une place, tu peux dire que ça se peut que ça se tire. D'autres, tu t'es tiré, ça c'est un compagnon de travail qui est vraiment choqué. Mon épouse, elle pense pas à ça. Que pour elle, en général, m'aller travailler et m'en revenir. Mais c'est sûr qu'elle est consciente que Mané, il peut m'arriver un accident. Des fois, une niaiserie, mais des fois, des accidents graves. C'est sûr que... Mais on fait tout pour que ça arrive.
on s'organise. C'est sûr qu'on a un métier qui est à risque, mais on le sait. Les gens partant, ça nous couvre un peu.